Ça, c'est un meuble à chaussures en carton que j'ai réalisé il y a quelques années. Alors, je vous explique le concept si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos. L'histoire, c'est que j'ai une mini entrée qui fait 1,15 m par 1,15 m. Donc, j'avais besoin de ranger des chaussures. Mais en même temps, il fallait pas que ça prenne trop de place. Donc, ce que j'ai fait vraiment un mini meuble à chaussures. Alors, vous voyez, par rapport à ma main, hein, il n'est pas bien épais. Alors, l'histoire, c'est que bah, si je le faisais trop grand, ma porte, voilà, il suffit que j'ai un peu de course en revenant du magasin, bah, ça passe plus, quoi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment calculé au centimètre près, je pouvais utiliser que 15 centimètres, quoi. C'était tout ce à quoi j'avais le droit. Donc, du coup, ce que je fais, bah, au lieu de ranger mes chaussures comme ça en long, bah, je les range en large. Et donc j'ai fait aussi des cases de différentes hauteurs parce que évidemment là on est en été, on met des tongs, mais l'hiver tout de suite c'est les grosses bottines et tout ça. Donc du coup j'ai fait des cases de différentes hauteurs. Et le truc en fait c'est que bah, plus le meuble il est fin, le problème c'est qu'il faut pouvoir le faire tenir. Alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté un petit bout de velcro, comme ça je suis sûre que si je passe même avec des courses, je mets un coup dedans, bah, le meuble il bougera pas quoi. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et bah, si vous êtes intéressé par des cours de fabrication de meubles en carton, je vous invite à faire un tour sur mon site web. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour les meubles que je vous montrerai dans ma salle de bain. Bonne journée, bye bye!